Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur FA Manager 24 du coup. Je vais y arriver un jour à dire que c'est le 24 et plus le 23. On se retrouve ici juste avant le sprint d'Autriche au Red Bull Ring. Alors on a des configs voitures à 94%. C'est pas foufou, mais c'est pas dégueu non plus. Vu qu'on a eu qu'une séance d'essai pour se mettre dans le bain, du coup la connaissance du circuit est pas très haute. La connaissance des pièces est pas à fond non plus, vu qu'on a quand même des flancs assez récents. Voilà, donc on voit Jack Crawford dans le blanc là. Il gagne qu'un point ou deux partout. Yuki gagne 2-3 points. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu comme je disais. On n'a pas trop mal réussi nos qualifs. 4e, 11e. En même temps, il y avait de la pluie là dans les Q3 et on n'était que 4 à sortir. Yuki a fini dernier, malheureusement, derrière Hülkenberg qui est sorti tout à dernière limite. Moi j'avais peur de. Je voyais personne sortir. Je me dis, bon, je vais quand même sortir à 3 minutes 30. Hülkenberg il est sorti à 2 minutes 30 et il avait moins de pluie que moi. Du coup, voilà, ça justifie un peu. Mais voilà, c'est comme ça. On a mis deux tours d'essence en moins, vu qu'il y aura de la pluie non-stop. Je vais vous montrer ça, si vous voulez. Vous voyez, au début, c'est des assez grosses pluies. Apparemment, au-dessus de 4 mm, ce serait limite des wet. Et après, ça chute. Donc, on va mettre des haltères, de toute façon. C'était ce que le jeu nous proposait. On va rester là-dessus, du coup. Que dire de plus? Ben, c'est parti pour le sprint du Red Bull Ring, ici en Autriche. Il le dit, une copie, lui. C'est écrit un peu fort, d'ailleurs. Lui, je vais mettre moins fort. Ça, une grosse voix, là. C'est parti, on va mettre Yuki en dépassement fort directement, peut-être lui aussi essayer de gratter, peut-être pas des points, mais au moins des places à points, si c'était une course quoi, c'était une course normale. Alors est-ce que, ah, Hülkenberg qui passe Norris, ça c'est pas bon, attention à Piastri derrière qui va nous attaquer, est-ce qu'on arrive nous à un drapeau jaune tout de suite, là Crawford il a pu se faufiler dans le drapeau jaune, qu'est-ce que ça dit, est-ce qu'il y a un red flag là, on va voir le ralenti certainement, Joe et Stroll, tant mieux si c'est Joe avec sa visa, j'espère qu'il a bien abîmé. Stroll. Qu'est-ce que c'était léger? Ah oui, Joe, il est venu le retoucher par derrière là. Très bien, c'est beaucoup trop tard. Stroll. C'est Stroll ça? Ouais, c'est Joe qui est venu le toucher là, mais ça va normalement. Ils sont pas trop abîmés, c'était léger. Peut-être les ailerons avant un peu pris, je sais pas. Apparemment, ils sont quand même assez abîmés là. Ils vont peut-être devoir passer au stun, tant mieux. Ça met Crawford dans les poids, tout ça. Et derrière lui, c'est pas les meilleures voitures là, c'est Russell et Ocon. Par contre, il y a Leclerc et quand même Joe. Joe a une pénalité, tant mieux. Les trajectoires, qu'est-ce qu'il a dit lui? Je ne sais pas, peu importe, on va se remettre sur lui d'ailleurs. Hülkenberg s'est fait larguer par Verstappen. Tsunoda dépasse Norris, bien joué, c'est pas n'importe qui avec n'importe quelle voiture. Pourtant, on voit qu'on pousse à fond là. Il faudra aller rechercher Hülkenberg aussi là, c'est encore le moment avant que Norris déboule là. Ce serait bien, ça serait chouette. Alors, est-ce qu'on a les moyens de faire ça? On est en dépassement fort. Crawford est dans les points, incroyable, Jack. S'il arrive à se maintenir comme ça, c'est parfait. Attention, les pneus qui vont bientôt chauffer, certainement. L'essence, il ne faut pas oublier qu'on a enlevé deux tours, mais il y aura de la pluie, donc ça va. Normalement, est-ce qu'on peut dépasser la visa? On est juste derrière, là. Juste derrière, peut-être au freinage ici. Yuki, non, il n'arrive pas à se faufiler, mais il est juste derrière, c'est encourageant. Norris, c'est un peu largué, finalement. Et Piastri aussi, qu'est-ce qui se passe? Joe et Stroll, Austin, ils changent leurs ailerons, à mon avis. Regardez ça. Entrevoir, là, si on arrive à bien voir les. Le changement d'aileron, lui prend sa pénalité. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il change bien l'aileron. Pardon, mais c'est le bâtard et j'ai beaucoup fumé hier. Alors là, on lui change l'aileron aussi, apparemment. Il va perdre un temps fou. Il est dernier, clairement. En mode d'une safety ou quoi, mais. Il est dernier. Tsunoda dépasse Hülkenberg. Bien joué pendant ce temps-là. C'est ce qu'on voulait. On va se remettre dessus. Parfait, parfait. Maintenant, Norris peut dépasser Hülkenberg et on gagnerait des points sur Visa. Avec qui on est à égalité. 27 points tous les deux. Pour la 5e place, tout simplement. Ils sont devant nous parce qu'ils ont fait au final des meilleurs résultats, je pense. Mais c'est quand même 27 points chacun. Et derrière, il y a Aston Martin avec 15 points. Les autres devant s'en occupent pas. C'est Mercedes qui sont déjà à plus de 100 points avec Ferrari. Et encore devant à plus de 200 ou 300 points. Je ne sais plus, il y a déjà les McLaren et les Red Bull. On a fait le trou avec Hülkenberg, ça c'est la bonne nouvelle. On va continuer de pousser un peu. Attention qu'on n'a plus trop de jus, on va enlever le battle assist évidemment. Là, on a encore un peu de jus vite fait. Là, j'ai envie de dire qu'on va pousser. Attention les pneus, on va les laisser en agressif là. Lui aussi, équilibré ici quand même. Et on va le mettre aussi en. On continue de pousser un peu. Il en est où là de la ligne d'arrivée? Il est déjà dans le premier virage. Oui, ça c'est déjà le virage. Ok, on va se mettre en neutre aussi. On va aussi enlever le battle assist. Et on n'a qu'à rouler maintenant. Et par contre, Crawford il s'est fait larguer. Attention à Russell derrière lui malgré tout. Attention à Russell. On va peut-être rester sur lui là. Yuki est un peu seul au monde là, vite fait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'ils font sur leurs pneus les autres? Ils les ont plus push que nous là. C'est peut-être notre chance à part Hamilton là.
Et derrière Crawford aussi, c'est un peu moins poche. Mais devant, ça a bien poche là, Hülkenberg, Norris, normalement. Norris et Piastri vont peut-être passer Hülkenberg. Attention, qui vont peut-être nous passer aussi à un moment, mais peut-être pas à voir. Attention, Hülkenberg qui revient sur Yuki malgré tout là. On a plus de jus. Merde, j'ai merdé là, chef, j'ai merdé. On a à peu près l'avance là, mais attention, ici on a plus de jus. Crawford, ah, il s'est fait passer par Russell. Dommage pour son premier point là, ça aurait été bien. Russell dépasse Crawford là. Ça va être compliqué de tenir Hülkenberg derrière vu qu'on n'a plus de RS du tout. Vivement le prochain tour. On a merdé là, j'ai oublié d'enlever le déploiement là. Par contre, c'est un peu moche. On avait de l'avance, on a perdu l'avance. Ici, on va peut-être la reprendre. Il n'y a pas de DRS normalement avec la pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, peut-être au talent, peut-être qu'on fera mieux qu'Hülkenberg avec Yuki. Alors, si on arrive à s'échapper encore. De toute façon, qui push peut-être ses pneus. Il faudrait que Norris et Piastri passent Hülkenberg, mais il faudrait d'abord qu'on s'échappe un peu. On peut pas le tenir. Merde, il s'est fait passer par Leclerc. Bah oui, c'était sûr, ça aussi. Compliqué quand même pour Crawford là. Peut-être 10, un point en course, il pourra les prendre, mais un point en sprint, c'est plus compliqué. Ouais, il se fait même passer par Ocon. Attention, le moral qui va chuter. Ouais, voilà, le moral qui chute, c'est un peu moche. On peut peut-être déployer un peu. J'ai l'impression qu'il a un peu trop de jus. Le petit Jack, si on peut repasser Ocon, ce serait déjà pas si mal pour le moral. Attention à Ricciardo derrière avec son Alpine qui là au freinage là. Mauvais, mauvais, mauvais. Crawford, il perd de la confiance là. Il recommence à chuter dans les places. Heureusement que Perez est loin derrière. Bon là, on va enlever le dépassement fort peut-être ici, là aussi. Qu'est-ce que ça dit sur Yuki? Hülkenberg est un peu plus loin derrière. Lui, le moral est dans les... Il est aux fraises, là. Il est complètement aux fraises. On va le mettre en neutre ici. Maintenant, il n'y a qu'à rouler. On va mettre en x8. Il n'y a qu'à essayer de contenir tout ça. On a repris une seconde sur Norris, mais Norris revient. Piastri, qui peut passer Hülkenberg pour le classement pilote, constructeur surtout. Ce serait bien, même pilote, hein, pour Yuki, clairement. Ce nous, ne pas nous faire passer par Norris, ça serait parfait. Qu'est-ce qu'ils font sur leurs pneus? Ils continuent de les push bien comme il faut. Hülkenberg a perdu plein de place, ça c'est tout bon. Nos pneus qui vont être efficaces au bout d'un moment. On va regarder Yuki là. Il arrive à tenir Norris à distance, vite fait, vite fait. On est un peu plus léger à la voiture là. Clairement, déjà, on a une voiture légère de base en termes de poids, d'aérodynamisme là. Mais aussi en termes d'essence là. Donc attention à ça, il faudra peut-être conserver un moment ou l'autre. Et là, il risque de passer les Norris, les Piastri, même Sainz là, il risque de nous revenir dessus. Ce serait bien qu'Hamilton dépasse Hülkenberg. Normalement, c'est dans la logique des choses. Crawford, il chute, il chute, il chute. Il y a Bottas qui lui va. Non, Bottas, ça va, il est loin en vrai. Faudrait tenir Ocon là, simplement, c'est ce qu'il fait. Verstappen s'est échappé quelque chose de bien. Norris, Norris, il va nous passer certainement. Et Piastri peut-être aussi. Ça, on s'y attend. Hülkenberg sur Hamilton. Ce serait bien qu'Hamilton passe malgré tout ici. On devrait au moins finir cinquième normalement. Bon, devant les... Ouais, voilà, devant les McLaren et les Red Bull, c'est quand même compliqué. Mais qui sait, qui sait. On arrive à tenir Norris derrière malgré tout jusque-là. C'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Yuki, attention, les pneus qui sont jaunes. Là, ils sont rouges. Il va perdre du temps. Attention à ça. Regardez les intervalles. Ouais, on perd du temps. Alonso qui est revenu là. Ah, ça c'est moche, ça c'est moche. J'ai pas surveillé la chaleur des pneus tout simplement. Là, ça passe encore en jaune avec Yuki. J'ose pas mettre moins, sinon Norris il va passer assez rouge. Ben non, on va se mettre en standard. Parce que là, on va perdre du temps, clairement. Il faut les faire refroidir ces pneus. Lui, c'est bon, ils sont refroidis. On peut réagresser. Essayer de repasser Alonso peut-être. C'est compliqué quand même, ça reste Alonso là. Dans une voiture pas trop mal quand même, qui sont largement devant nous au classement constructeur, comme je disais. Yuki qui perd la seconde, qui va se faire passer par Norris. C'est Piastri finalement qui est passé, et pas Norris le premier. Piastri s'est envolé là. Drapeau jaune, safety car, safety car, safety car. Alors on va pas s'arrêter, clairement, on va pas s'arrêter. Les pneus sont encore bons. C'est peut-être notre chance, ça c'est peut-être notre chance. On n'est pas si mal pour Cher Lawson. Très bien, on n'a pas regardé le ralenti, c'est pas grave. Peut-être notre chance sur Yuki de bien. Ah, arrêt, drapeau rouge carrément. Ok, on peut peut-être revoir le ralenti là du coup. Théo pour Cher, attention, ça a dû voler bien comme il faut. On te revoit, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un blocage, ouais, de la as dans les fesses de pour Cher. Qu'est-ce qu'il dit? Il va s'énerver. Oui. Les accusations, non, on n'entend rien. Pour Cher, il reste calme, il reste zen. Ou alors il est choqué, je n'en sais rien. Bon, toute l'équipe est choquée. Bon, de toute façon, ils sont derniers, eux. Drapeau rouge, très bien. Nouveau départ, du coup. C'est pas plus mal, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On devra encore faire des qualifs sous la pluie. Vas-y, on va quand même remettre des pneus assez récents.
En même temps, c'est le sprint. Est-ce que je mets des pneus neufs? Non, on va pas mettre des pneus neufs alors qu'il reste 4 tours, clairement. On va mettre ces pneus-là. Vas-y, les pneus des qualifs, comme je disais. C'est parti, je vais voir ce qu'ils mettent les autres là. Ils vont mettre, ils ont encore peut-être des 100%. Peut-être qu'ils en ont plus. Ils ont fait toutes les qualifs chaque fois avec des nouveaux softs, des nouveaux haltères. Donc peut-être pas, peut-être pas. À part qu'ils ont pas fait vraiment tous les Q3, mais bon. On va mettre pause là et on va mettre full attaque, sait-on jamais qu'on viendrait de déploiement, oui. Sait-on jamais qu'on arriverait à repasser Piastri, là, vu qu'on a récupéré la seconde, là aussi, déploiement, attention, son moral, ouais, ça va, son moral, il est remonté, là, il a un peu remonté, allez, c'est reparti, full attaque, vas-y, Tsunoda, pousse sur tout, il est déjà passé, Piastri, là, est-ce qu'il peut rechercher, qui sait, la victoire, notre première victoire, bon, c'est un sprint, c'est pas une course, mais ça serait pas mal quand même, ce serait de bon augure pour la course. Crawford, il passe un peu du monde. Là, il a passé Alonso, il passe même Ricciardo. Bon départ, bon départ. La confiance est très élevée, ça c'est bien. Dixième, sait-on jamais qu'il aille chercher un point aussi, son premier. On se bataille avec Verstappen, là, rien que ça. Et on l'a tassé, Yuki qui mène la course. Incroyable, incroyable, mais vrai, le petit Yuki. Est-ce qu'on peut maintenir Verstappen derrière? Ça m'étonnerait, il a quand même une bonne Red Bull. Après, il n'y a plus que 3 tours, donc qui sait l'un dans l'autre si c'était possible. Qu'est-ce qu'ils ont comme pneus? Ils ont mis le même genre de pneus que nous. Ah, on n'a pas mis les pneus sur Yuki là. Oh, je suis déçu là. Pourquoi il n'a pas confirmé là? Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire de notre mieux. On va pousser à fond là, c'est sûr. Par contre, il n'y a que 3 tours, 3 tours et demi. On va full possible. Dommage qu'on n'a pas des meilleurs pneus quand même là. Ça aurait été bien Crawford qui a l'avantage du coup avec ses pneus à 92%. Ça, c'est quand même pas mal. Téléphone, c'est des vendeurs, on s'en fout. Clairement, on va pousser encore là. C'est parti, Tsunoda qui mène ce Grand Prix incroyable. Ce serait bien que Hülkenberg se fasse passer par Hamilton et compagnie pendant que Tsunoda prend la tangente là, clairement. 3 tours restants, incroyable. Petit Yuki, attention à l'ERS, on n'en a plus des masses. Ils vont revenir là après quand on n'aura plus de RS. On va devoir se mettre en neutre, il reste que 2 tours. On n'a plus de jus malheureusement, ici on va plus en avoir non plus. On va full poussif le reste, tant pis, advienne que pourra. Les pneus sont très chauds, tant pis, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Là, il a plus de jus non plus, malheureusement. On va laisser un dépassement fort. Lui, on va l'enlever. Morale au plus haut, tu m'étonnes. Morale super élevé pour Yuki. Attention, Sainz qui est revenu avec sa Red Bull aussi. Attention à Verstappen là qui nous attaque. Bah oui, ça c'était sûr. Il va gagner, je pense, Verstappen. Hein. Il faut pas rêver non plus. Mais très gros poids de Yuki là. Si Hamilton pouvait passer. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Blocage. Non, non, non. Mais non, il est dans les graviers là. Oh là là, sérieux. Il y a un problème, quoi, quoi. Fond plat. Ah, génial. Heureusement qu'on a bientôt un nouveau. Crawford, il est passé 20e avec tout ça. Bah ouais, mais il part tout seul là. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il abîme le fond plat. Très bien, c'est la fête. Bah maintenant, il a niqué les pneus. Ouais, sa course, elle est morte là. 20e, malheureusement. Heureusement que c'est pas la course. Reste tranquille. Fais pas de vagues. Presque envie de retirer la voiture là au point où on en est. J'ai peur qu'il refasse des boulettes. Tour final Verstappen. On va regarder Yuki pendant ce temps-là. Peut-être beaucoup plus intéressant. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut rester deuxième? Là, ce serait exceptionnel. Si Hamilton pouvait passer Hülkenberg, on va regarder ça. Hülkenberg, ah, il est juste derrière Papy Lewis. On regarde pas Yuki. Tant pis, c'est pas grave. Je pense que Sainz va le passer. On va finir quand même sur le petit podium, là. Qu'est-ce que ça dit? Le petit podium. Alors là, on va peut-être finir deuxième, en vrai. Hein. On pousse bien l'essence, on pousse bien tout. Ah, Hamilton, il n'arrivera pas. Yuki, deuxième, incroyable, incroyable, mais vrai. Verstappen nous a quand même mis avant, finalement. Ah, dommage, Hülkenberg, il finit quand même malgré tout sixième. Ça, c'est pas bon pour nous. Joe, 16e, ça, c'est bon pour nous, par contre. Le classement, pilote, qu'est-ce qu'il dit, lui? Regardez, juste avec la Red Bull aux fesses. Pas mal, incroyable, Yuki, là. Avec l'événement de course, drapeau rouge, bon, Crawford, dommage pour lui. Pour lui, il peut peut-être aller chercher un point, peut-être. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il a abîmé le fond plat. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je crois que j'en ai encore en stock, heureusement. J'espère bien de pas devoir en faire en urgence parce que ça va me coûter bonbon. Sinon, on fait le meilleur chrono. Dommage qu'il n'y a pas de points de plus là au sprint. 7 points, c'est intéressant. On n'a pas les résultats du classement constructeur, malheureusement. Alors, on va devoir changer le fond plat. Ah oui, il y a d'abord les qualifs, c'est vrai. Je pensais que c'était déjà la course. Non, il y a les qualifs sous la pluie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on met? Il nous reste quoi comme pneu à terre? Il n'y aura pas de pluie le jour de la course, ça c'est la bonne nouvelle. On va mettre des haltères neufs tout de suite. Là. Là, il faut changer la pièce. Vas-y. Fond plat. Ouais, il en reste que. Attention à ça quand même. On va quand même lui mettre là. J'espère qu'il ne va pas l'abîmer pendant les qualifs.
Sinon, on devra en crafter en urgence. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets un ancien? Non, on va pas lui tirer une balle dans le pied. Les blocs moteurs sont assez bons encore. Il les a pas abîmés, ça c'est la bonne nouvelle. Là aussi, non, ouais, ça va un peu plus faible moteur, mais ça va encore en vrai. Ça peut tenir encore un peu. On a un nouvel ERS, on avait pris une pénalité d'ailleurs au GP précédent. J'ai quand même sauvegardé là des si bons résultats. J'ai pas envie que le jeu crash et devoir recommencer ça. C'est juste si le jeu crash, c'est pas si on fait des mauvais résultats, si même plante qu'on explose la voiture, tant pis, c'est pas grave, on continuera l'aventure, mais c'est juste si le jeu vient à crasher, voilà. Confirmer, renvoyer lui. Ah merde, j'ai pas regardé. Ah merde, j'aurais dû attendre. Oh zut, bon tant pis, c'est pas grave, c'est lancé, c'est trop tard, c'est comme ça. On mettra des softs à la fin. Ah, il lotisseur encore là, l'autre zozo. Ah, vous savez quoi, rentrez, rentrez les gars, attends. On leur dit rentrez, 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 simplement. Vas-y, rentre aussi, toi. De toute façon, là, tant sous la pluie, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi on est sorti. On n'est pas juste usé la bagnole, là, c'est tout. Là, il nous reste plein de jeux de pneus avec tout ça. On n'a rien dû renvoyer à la FIA, ça c'est la fête. La course, on peut faire 8 arrêts si on veut. Carrément. Alors, qu'est-ce que ça dit? La pluie qui va chuter normalement. On a le temps peut-être de faire 2 tours. Ils vont commencer à sortir là, les lolos. Alors, on montre voir. À 16 minutes 10, on pourrait. Il restera 8 minutes. On a presque le temps de faire 2 tours lancés. On va déjà en faire un. Normalement, c'est les QA. Donc, ça doit passer 2 tours lancés. Un seul tour lancé pour les deux. S'il n'y a pas de boulette de Crawford et quoi que ce soit. On va quand même essayer d'avancer. On va voir quand est-ce qu'ils sortent les autres. Ils vont peut-être pas sortir si normalement ils sortent quand même là au bout d'un moment. Ça, ils sortent tous. Vas-y, je sors. Non, je vais attendre. Je vais attendre qu'il y ait moins de millimètres de pluie. Là, je sais pas pourquoi ils sortent tous. On aura encore le temps de faire un tour, logiquement. Alors là, ils sont dans leur tour lancé, quasiment tous. On attend qu'ils soient dans leur tour de rentrée au stun. Voilà, voilà, voilà. Ils sont dans leur tour de rentrée. Ils rentrent. Voilà, on a encore le temps. On n'est pas pressé. Ils vont recommencer à sortir, peut-être. Là, oui, ils ressortent. Le clair piastri, les millimètres sont bons. Est-ce qu'on sort derrière là une... Non, pas derrière une Red Bull. On va attendre de voir là. Derrière elle, non, dommage, il n'y a pas de place avec la Red Bull. On va essayer de faire. Ah, oui, vas-y, derrière la kick. Mais en même temps, on est un peu trop loin derrière peut-être. Derrière une Ferrari pour Tsunoda, ça peut le faire. On va essayer de sortir là. Ah, il y en a une autre qui sort, c'est une Mercedes. Bon, vas-y, on va sortir derrière la Mercedes. Ah, bah, une Visa maintenant. Ils sortent tous clairement. Bon, on sort dans le tas, on verra bien. Sur leur tas, ça devrait passer dès que de toute façon la Crawford est loin, il a pas la spi malheureusement. Attention qu'ils ont à peu près tous la spi là sur l'autre là. Crawford 5e, très bien, très bien. Et Tsunoda 5e aussi. Bon, il y a 2 5e place, très bien. Je plaisante bien sûr. Alors 6e, 10e, c'est encourageant pour la course, très encourageant. On a demandé à Yuki d'être 9e pour les sponsors si jamais vous demandez. Et Crawford, je crois 16 ou 18, je sais plus, je crois que c'est 16. On a essayé de rafler un maximum d'argent là. On va remettre les haltères puisqu'ils nous disent de mettre les haltères, mais honnêtement, à mon avis, ce sera encore des softs au bout d'un moment. Qu'est-ce que ça dit? Montre voir. Ah non, ce sera des haltères tout de suite, faut sortir, on va prendre la spi. Là, ici, vas-y, on sort tout de suite, pour essayer d'être avantagé. Attention, ouais, avantagé, je sais pas. Non, on sera peut-être pas gêné si Sainz et Leclerc, drapeau jaune. Oh là là, tête à queue pour Perez. Qu'est-ce qu'on est? Crawford. Une seconde 6, il va être éliminé là, il va être éliminé clairement. On peut peut-être quand même tenter une ressortie là. On connaît et niquer aussi là. Entrevoir là. Ouais, ça va encore en vrai, ça monte pas tant que ça. On peut peut-être retenter une sortie sur Crawford. Essayons de voir ça. Tsunoda aussi. Ouais, non, Tsunoda, je pense pas qu'il se fasse avoir. Vas-y, je vais remettre ces pneus là et on ressort tout de suite avant que la pluie monte trop là. Ils ressortent tous, intéressant. Vas-y. Est-ce qu'ils ont mis quoi comme pneu en fait? Ok, là, apparemment ils avaient des softs, des haltères, je veux dire. On va ressortir aussi sur Yuki au cas où, on va essayer d'assurer le coup là. Ça me semble chaud. Crawford il est sorti tout de suite, il va se faire gêner à mon avis. Non, ça va, j'ai de la fumée dans les yeux. Ah merde, il améliore pas, tu es P13 malheureusement. C'est pas grave, il est quand même dans ses bons poids, il est quand même devant Perez, derrière Ocon. Ocon qui a su améliorer malgré plus de pluie, intéressant. Tsunoda, et je pense pas qu'il se fasse reprendre par Russell et compagnie. Ça va être fini, il ressort encore une fois. La pluie qui se maintient, j'aurais peut-être pu ressortir, c'est pas grave. Je pense que ça n'aurait pas été de toute façon. Bah, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'on va être éliminé là? Non, il y a des temps qui ne bougent pas, il y a plus de pluie encore là. Donc ça ne sert à rien. Terminé comme ça, il y a un peu plus de pluie malgré tout. La dérance qui est moins bonne, donc ils n'ont rien amélioré. Piastri et Hamilton, une pénalité. Hülkenberg est devant nous, mais c'est que les Q2, c'est pas grave.
On est quand même. Où est-ce qu'il est l'autre? Joe, il était éliminé au QA. Intéressant ça. Avec qui? Évidemment, avec les deux kicks, avec une as de Liam Lawson, comme d'habitude, et les deux Alpines. Jusque-là, rien d'anormal. Bottas qui est l'ouest, ça c'est bien pour notre classement constructeur. Attention à Iwasa quand même, là. Le classement constructeur à nouveau. Et le reste, ça va, c'est classique. As, Williams. Quand même Bottas. Dommage pour Crawford, là, malheureusement. Je pense qu'il a été gêné, le petit. Des pneus à terre usés, vas-y, des pneus à terre usés. On verra bien si on s'adapte, si on change quelque chose. Entrevoir. Il y a un moment où il y aura un peu moins de pluie là vers le milieu. Il faudrait sortir à 16,50 pour arriver au tout, même 16,50 T1 là. Quelle heure il est là? 16h48. On va sortir du coup à 16,51 vers. Bah oui, on a vu. Ils vont tous sortir. Ou bien ils vont peut-être pas tous sortir en vrai. Vas-y, on va sortir là. Ça me semble bon créneau. Attention à Stroll là, il va nous gêner en retour malheureusement. Qu'est-ce que ça dit? Stroll, on est dans la speed quelqu'un. Non, on est plutôt gêné même par Alonso. Deuxième, ils sont pas tous sortis. Si, ils sont tous sortis, on fait pas un mauvais chrono quand même. Sixième, c'est correct. La pluie qui chute malgré tout. On va ressortir du coup. On va rééquiper des pneus à terre. 97, ben ceux-là. On te revoit là. Merde. Merde, merde, merde. La pluie qui stagne là. On va ressortir clairement. Il reste 3 minutes. Est-ce que j'attends? Ça a l'air de chuter encore. Vas-y, je vais sortir là. En tout dernier. Espérons que ça ne remonte pas. Si, ça remonte un peu. Ils vont nous reprendre du temps peut-être. Il améliore quand même les secteurs. Yuki, les deuxièmes aussi. Ah, pas mal. Quatrième. Intéressant, intéressant. Attention quand même à ne pas trop se faire chuter pendant la course et perdre le moral du coup. Ça, c'est à double tranchant. Et de finir trop bien au qualif. En plus, Lando a une pénalité de gris. Ça, c'est bon. Piastri aussi. Hamilton aussi. Ça, ils ont changé leur ERS à tous les coups. Mais pourtant, c'est le deuxième. Donc, c'est celui prévu par la FIA. Mais on prend quand même une pénalité. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un bug du jeu encore ça. Ok, enfin, plus de pluie. Première session sans pluie. Medium, 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 medium hard, vraiment. Attendez, on va revoir tout ça, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. On va mettre un tour d'essence en plus, comme d'hab. On va refaire la strat. Peut-être plutôt SMS. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas folichon non plus. C'est pas folichon. Peut-être double médium. On a plein de pneus, de toute façon, donc... Est-ce qu'on part fort ou est-ce qu'on part? On va remettre des médiums ici, histoire de bien pouvoir pousser ici. Par exemple, on va sortir pas trop tard. Et là, en plein milieu, ici, ça me semble bien. Ça nous ferait du 20 tours, 26 tours avec chaque pneu de médium, là, finalement. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On va sortir comme ça. Alors, on va rester comme ça pour lui. Et Crawford, on va voir ce qu'on fait. Et j'ai un peu plus de carburant aussi. Il part pas trop mal là, s'il arrive à se maintenir là. On a quand même une bonne voiture normalement. Est-ce qu'on lui garde cette strat là? Ou est-ce qu'on essaye aussi de partir fort? Est-ce qu'on peut faire aussi 3 arrêts? 3 arrêts, ça peut être sympa. On a toutes sortes de jeux de pneus là. Montre voir, ajouter une session. On peut faire 3 arrêts en vrai, je pense. Finir en là. On a plus de soft là? Oh vraiment, on a plus de soft là, je croyais. Ah bah non, alors peut-être pas 3 arrêts quand même. Alors, est-ce que je mets des hards là au milieu? On va voir la souplesse, qu'est-ce que ça dit? Si on rentre comme ça, ah non, ça va être compliqué. Les softs à la fin, ou alors je fais. Alors, je fais malgré tout 3 arrêts avec double médium. Attendez, on va voir ça. On finit en médium, on avance fort au début. Là, c'est bon, tour 17 par exemple. Ça me semble pas dégueu quand même comme strat là. On peut même pousser un peu plus tout le temps là. Rentrer comme ça, rentrer comme ça. Rentrer tour 15, allez, histoire d'undercut bien comme il faut. Ici, tour faire 16 tours avec les. Ouais, on va rentrer comme ça, vous savez quoi? Ça me semble pas déconnant quand même pour Crawford. Je pense qu'on gagne du temps là, clairement. On va essayer ça. On va essayer ça sur Jaco. On a bien une option de pilote à fond. Il a bien laissé notre strat là, les jeux. C'est bien ce que le jeu, c'est ce que j'avais choisi. Soft, medium, medium. Je sais déjà plus sur Yuki, mais je pense que oui, vu que j'ai d'abord réglé les options de pilote et le carburant avant, surtout les options de pilote d'ailleurs, avant de faire la strat. Donc normalement, il m'a laissé comme j'avais mis. Je pense que c'est ça, soft, medium, medium. Ouais. On verra s'il y a une safety à un moment ou l'autre, si on met des softs. Il y a quand même pas mal de safety. Il y a souvent des safety ici. En Autriche, c'est parti, le Grand Prix d'Autriche avec Yuki, troisième normalement. Crawford pas si mal classé non plus, normalement avec toutes les pénalités de gris là. On voit
Et McLaren mal classé. Yuki qui prend un très bon départ. Je vais peut-être pas le mettre en dépassement fort sur des Red Bull quand même là. Lui par contre oui, peut-être sur Perez il pourrait le faire, peut-être pas sur Norris mais sur Iwasa aussi. Voilà, Perez c'est fait. N'attaque peut-être pas Norris là, ça sert trop à rien. Attaque après Iwasa quand Norris aura passé Iwasa. Mon petit. Tsunoda, Verstappen, ça passe encore. Il tient tête au Red Bull, là, le petit Yuki. J'ai hâte de voir notre nouveau fond plat, là, ce que ça va changer. On passe bien, bel et bien Iwasa, Ocon maintenant. Il faudrait que Norris passe Ocon et Russell, qu'on puisse aller les rechercher aussi. Ça y est, c'est Ocon. Oh, il passe même Norris, incroyable. Bon, vas-y, essaye de dépasser Russell, là, tant que tu y es. Est-ce qu'il est? On va regarder ça. Limite, ah, Yuki mène la course, incroyable. Attention, maintenant c'est Norris. On va donc se calmer. On va pas cesser de passer Norris, là, ça sert trop à rien. Yuki premier, Yuki mène la danse, on va quand même regarder ça en vue hélicoptère, magnifique, magnifique première place pour l'instant de Yuki. Je pense pas qu'il fasse si bien que ça, mais sait-on jamais. Crawford qui fait, est-ce que Yuki fait les secteurs purple là? Oui, incroyable, incroyable, il fait les secteurs purple. On va se choper le meilleur chrono, bon c'est que le premier tour, mais quand même, voilà, c'est fait. Tour le plus rapide pour Yuki, incroyable, il a passé deux voitures et pas n'importe lesquelles, deux Red Bull. Alors là, il va falloir essayer de se maintenir là. On va agresser simplement les pneus. Lui, en vrai, il peut pousser, agresser aussi, juste agresser quand même au départ. On va essayer de se maintenir là, simplement en première ou deuxième position au rythme des DRS. Ici, on a le DRS normalement sur max. On devrait repasser si ça s'ouvre, si ça veut bien s'ouvrir. J'ai envie de garder du jus pour après. On va repasser là. Si on repasse, oui, vas-y, je garde du jus. Top up même. On va enlever le battle assist comme d'hab. Même récup là, tant qu'on mène en gérant bien la course. Ah, par contre, là, on se fait passer, on va le mettre en neutre, même en déploiement, là, histoire de tenir dans la zone sinueuse. Lui, il est en full déploiement. Est-ce qu'il arrive à passer Russell? Il est déjà dixième, il a un petit poil à l'air de rien. J'ai aucun rythme. Ah oui, mais c'est normal, c'est une Red Bull, mon ami. Ne t'énerve pas. Calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer. Détends-toi, Yuki, tu es deuxième, c'est déjà merveilleux. Alors, est-ce qu'on arrive à tenir là, Max? Ici normalement on a le DRS, on va en avoir triple à la suite. Bon, on a claqué encore un peu de RS. Est-ce qu'on peut encore un peu en claquer? On a le DRS merveilleux. Est-ce qu'on revient? Attention à Sainz qui revient ici. Normalement on a encore le DRS, ça va s'ouvrir. Tout juste, on l'a eu à la zone de détection. Attention là, on va enlever le battle assist aussi. Là, on est passé 9e en effet. On doit pouvoir, on a les capacités normalement de laisser Russell sur place. On va quand même se calmer sur les pneus, les laisser refroidir un peu. Le moteur, tant pis, on va le faire chauffer un peu. Attention là, on ne doit plus avoir de jus. On est bien collé à Max là dans la dernière zone DRS. On peut peut-être top up un coup, même récup là dans la zone de freinage. Ça a l'air de passer devant. Ça a l'air de passer devant pour Yuki. Incroyable, on peut peut-être récupérer. On va peut-être bien la gérer cette course là. Voir ce qu'on fait, attention ici dans la zone sinueuse, on va déployer, il va nous redire qu'il a aucun rythme, c'est ça, t'inquiète pas, confiance très élevée malgré tout, on suit le rythme des Red Bull là, vite fait, on n'a plus de jus malheureusement ici, ça va être compliqué, est-ce qu'on récup, là on va normalement avoir le DRS normalement, alors attention qu'on pousse sur l'essence, là si j'avais su je mettais encore un peu plus d'essence, attention à la Red Bull, est-ce qu'on a le DRS, oui, merveilleux, on pourrait revenir sur Max, on le voit même plus là dans le fond de l'image, est-ce qu'on a encore la seconde, j'espère, on va récupérer un peu ici, attention à Sainz là, du coup, est-ce qu'on a encore le DRS? Oui, parfait. On va essayer de le choper aussi à la dernière zone. Attention là, de là derrière. C'est chaud à tenir là, le petit Sainz. Ça va être compliqué. Au moins, on va avoir son DRS là tout de suite. Oui, on va l'avoir là, son DRS sur lui. Et on n'est pas si mal classé là au redémarrage. Attention, ouais, il a une bien meilleure accélération. En même temps, on est en. On va peut-être déployer là, histoire de se maintenir. Au moins en neutre là, on a récupéré un peu. Normalement, on a du DRS. Oui, on l'a eu. Est-ce qu'on peut se maintenir là? Ça serait bien. Quitte à pousser encore un peu l'essence, là, tout de suite. On est à 6 secondes d'Hülkenberg. Ça, c'est incroyable, incroyable. Et Crawford, il est devant. Russell, il est quand même assez bien. Il suit le rythme de Leclerc. C'est pas rien non plus. C'est la meilleure course qu'il est en train de nous faire, là, pour l'instant. Le petit Jack, par contre, Yuki se fait un peu larguer, là. C'est compliqué, sans ERS, sans tout ça. Ça m'a l'air de tenir quand même vite fait ici à la zone DRS, à la zone de détection, on l'a normalement. On doit devoir revenir sur Sainz, attention à Sainz qui risque de passer Verstappen là. Norris est largué, mais Norris va faire la remontada. Là on peut agresser les pneus je pense pour essayer de revenir sur Leclerc. Attention Tsunoda, il avait plus le DRS là, est-ce qu'il revient quand même? Oui, il revient, ça se tasse devant peut-être, ça se gêne, je ne sais pas. Ah, il se fait passer, dommage par Russell, normalement on va avoir du DRS malgré tout ici. Donc ça va aller, j'espère pour repasser Russell, il faudrait aller chercher Charles là, c'est important. Attention à Stroll derrière, c'est pas n'importe qui avec n'importe quelle voiture, ouais, il nous passe là.
Ah, on n'avait pas de DRS là, vraiment. Alors, on va l'avoir ici, par contre. Dommage, mais c'est pas grave. Attention à Bottas derrière, quand même. L'essence, on va quand même se calmer. On va regarder pour la suite des opérations. Tsunoda, il arrive à tenir devant. Vite fait, vite fait. Ça sort bon. Peut-être un petit podium, mais faut pas rêver. Je pense que Norris va nous prendre la troisième place. La course est encore longue. On va quand même garder du jus ici. Au moins, on a un peu d'avance. On a un peu d'espace pour avancer. Confiance très élevée. On va regarder ce qu'il fait. Ouais, malheureusement, là, il aura pas la seconde, je pense. Peut-être un peu agresser les pneus histoire d'essayer de revenir, mais j'y crois pas trop. Ça reste des Red Bull devant, ça va être compliqué. On peut un peu pousser l'essence. Là, on va attaquer les pneus. On va essayer vraiment de revenir à la seconde, c'est important si on peut. Même on a un peu trop de DRS, on va le claquer tout de suite. Essayer de revenir encore, gratter une zone DRS de plus. Là, vas-y, claque tout. Là, claque tout. Essaye de revenir sur Verstappen. Là, Sainz qui a pris la tangente. Est-ce qu'on peut avoir la zone de détection ici? Oui, on va la voir. On va la voir, les amis. Ça, c'est tout bon. Vas-y, on va se remettre en neutre. Normalement, on l'a là, on l'a chopé. On peut se remettre en équilibré agressif. Attention, on va pas faire chauffer les pneus. Oui, parfait, on a le DRS sur une Red Bull. On a été le récupérer à la force des bras là. Alors, Stroll, est-ce qu'on peut le passer? Russell, il fait une super course aussi là pour l'instant. C'est assez compliqué de le tenir là pour Crawford. On est sur Stroll quand même. Attention à Bottas aussi qui est juste derrière. Ce serait bien que Crawford prenne ses premiers points. Ça nous aiderait au classement constructeur. Surtout que Joe est très très loin là quand même. Il a en plus une petite panne mécanique là, le petit Joe. Ça c'est bon. Alors Yuki, il arrive bien à tenir là tout à coup. Il tient très bien Max, même dans la zone sinueuse. Max qui a peut-être pris un coup au moral là tout de suite. On va peut-être même pouvoir le dépasser avec la triple zone DRS. On va se remettre en standard ici. Économiser les pneus. C'est des softs en plus, on peut peut-être même se mettre en légère là tout de suite. On sait que ça... Je n'y vois plus rien là, monsieur Spinney là, Spinney, oui c'est ça. On a le DRS normalement, non on n'avait pas le DRS vraiment là, à la zone de détection. On va vraiment, vraiment, là on doit l'avoir normalement. On va peut-être revenir sur Max du coup, on économise les gommes, qu'est-ce que ça dit? Là, il les économise comme nous là les autres, enfin Max en tout cas avec ses softs, on revient quand même. Les softs de Max qui commencent à moins payer apparemment. Les pneus sont ok. Vas-y, on va repousser un peu dessus. Alors là, on a encore le DRS. On est collé à Max. Incroyable, Yuki. La course de Yuki, c'est incroyable. Beau travail. Il passe Russell, l'autre, pendant ce temps-là. Ça, c'est bon. On va se remettre en standard pour l'instant. On va compenser avec de l'essence. On passe Max, là. Incroyable. Crawford dépasse Russell. Donc, Stroll. Stroll qui est dans le dur, apparemment, là, tout de suite. Tant mieux. On va faire refroidir un peu les pneus peut-être, on est juste derrière Russell, c'est pas mal ça. On va faire refroidir les pneus, on compense un peu avec notre essence tout simplement. Là on est devant Max, que demander de plus? Que demander de plus? Peut-être c'est le moment de récupérer un peu de RS là tout de suite. Après on aura la zone DRS suivante normalement, ici au bout de la ligne. Richard John, oui vas-y. On va mettre en x2 quand même, il faut quand même essayer d'avancer dans ce Grand Prix. Ici on a le DRS normalement, c'est nous qui l'avons. Ouais, merveilleux, on peut revenir logiquement. On peut revenir, ça va peut-être payer pour Max plus tard, ça pourrait rechercher Max. Ici on a encore le DRS, donc on va rester en récup. Attention, pas trop quand même. On a perdu la seconde malheureusement. On va peut-être déployer un coup, essayer de garder à nouveau le DRS. Vas-y, on va repousser surtout le moteur qui a un peu refroidi. Est-ce qu'on arrive à aller le rechercher une nouvelle fois? J'aurais peut-être pas dû récup comme ça. Max qui a reclenché la troisième là pour le coup, Yuki la deuxième, mais ce sera pas suffisant. Ah, c'est compliqué là, c'est compliqué tout à coup d'aller le rechercher à nouveau. On n'a plus de jus malheureusement, j'aurais peut-être pas dû récup, on était tellement bien là, tellement bien. Bon, non, ça va être compliqué, on va pas forcer plus. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Standard ici, non, on reviendra pas là, il s'est échappé, tant pis. Bottas et Russell, est-ce qu'on peut les rechercher? Attention les pneus là. Équilibré ici, on a un peu trop de jus, j'ai l'impression ici. Est-ce qu'on pourrait passer Bottas, aller rechercher Russell? Où est-ce qu'on est là? Attention, il va se faire passer par tout le monde. Non, Stroll qui s'est réveillé à nouveau là. C'est pas très bon ça. Bon, dans le sens où on rentre bientôt, on a pu faire refroidir les pneus, on peut repousser un peu dessus. Est-ce qu'on est en dépassement fort là? Non, on va pas y mettre là parce que le moral est pas terrible, terrible là sur Crawford, malgré qu'il ait quand même malgré tout gagné des places pour l'instant. On va voir nos trois arrêts si ça paye ou pas là. On rentre bientôt clairement donc. Devrait le faire. Tsunoda est un peu dans un no man's land. On va l'y laisser. Il a rien là. Il a aucune option. Non, ça c'est bon. On va le laisser rouler simplement avec ses softs là. Les pneus sont pas trop chauds. C'est parfait. Donc il faudrait pas que Norris revienne. Simplement Alonso est très très loin. Au moins la quatrième place qui nous tend les bras là. Crawford il se fait maltraiter par Stroll et même Russell devant. Il n'arrive pas à aller le rechercher. Ben, les softs ils commencent à souffrir face au médium. Il va être temps de s'arrêter clairement.
Mais il tient le choc, il tient le short Crawford, le short, oui, il tient le short de Russell, non, d'Hamilton, là, tout de suite, et Stroll, ah, il perd des plumes, ah, et c'est Piastri en même temps, là, derrière, qu'est-ce qu'il fait, Silhouette, Piastri, il s'est déjà arrêté, non, même pas, Stroll dépasse Crawford, là, il doit avoir le moral dans les choux, ben oui, il s'est fait passer par tout le monde, même l'Alpine, là, de Ricciardo, ça, c'est pas bon, il se fait tasser, il est hors de la piste, qu'est-ce qu'il fait, là, qu'est-ce qu'il fait, là, allez, rentre dans la piste, il se fait tasser par tout le monde, là, quel noob, mais quel noob, j'aurais peut-être pas, ah, on est en déploiement, là, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'aide pas. C'est pas grave, on rentre bientôt au stone. S'il faut, on rentre un tour plus tôt. Si on voit qu'il perd trop de plumes, là, le moral complètement à l'ouest. Ouais, c'est dommage, là, il était bien classé. Et là, tout à coup, ça le fait plus. Au moins, on va peut-être pouvoir passer les kicks là, avec notre arrêt au stone. Tsunoda toujours dans un no man's land. On va peut-être pouvoir agresser un peu les pneus, là, histoire de rattraper le retard, là. Enfin, du moins, de ne pas se faire trop rattraper par Norris. Alors, on va rentrer ce tour Crawford qui est nulle part, là. Ça va aussi, on a un peu de marche sur Iwasa, quoique Iwasa est quand même là. On va rentrer, vous savez quoi, on va rentrer ici. On va mettre les softs. Je pense qu'il est temps, ouais, il perd encore des places là, Crawford. Donc il est plus que temps de s'arrêter. On a malgré tout le DRS ici. Attention, on ne vient pas te cracher avec Iwasa là, mon petit Crawford. On va rentrer, on va être un des premiers à rentrer. Ah, Norris est revenu sur Tsunoda. Bah, c'était compliqué de le tenir derrière. On va peut-être full attaque les pneus là, avant de rentrer, histoire de tenir le Norris là peut-être. Vas-y, on va essayer ça. Est-ce qu'ils vont faire medium hard là, certains? Peut-être Norris qui a l'air de tenir ses pneus. Lui, on va le faire chauffer ses pneus justement. C'est parti, bouboule. Il y a le chat. Alors Crawford, il est loin, il est seul au monde là. Il a qu'à rouler, j'ai envie de dire. Il a juste qu'à rouler. Alors Tsunoda. Il va tenir Norris malgré tout, malgré qu'il ait des médiums bien meilleurs. Norris, bon, c'est peut-être pas la troisième place, mais peut-être la quatrième. Il a l'air de tenir tant qu'il tient, je le laisse en piste. On va quand même rentrer le tour prochain. Ça y est, on ne tient plus, on va rentrer ce tour-ci du coup. Attention à Leclerc qui revient petit à petit. Là, les pneus sont bouffés. Attention, là, on bouffe les pneus aussi un peu, là. Ça s'arrête au stone, là. Qui pour cher, on s'en fout, ça ne nous concerne pas trop. Tsunoda, on a un peu d'avance là, on peut un peu avancer, on va un peu pousser là tout de suite, là aussi. On fait chauffer les pneus aussi ici. Allez, ils vont être chauds là, ils vont être chauds normalement. On peut revenir peut-être sur Piastri. Est-ce qu'il s'est arrêté au stand Piastri là? Les pneus sont à bonne température, monte. Ah non, Piastri il va s'arrêter, on devrait lui regratter du temps là tout de suite. J'ai même pas besoin de le mettre en dépassement fort normalement avec des pneus aussi éclatés sur Piastri. Norris mène la course, bah oui, les Verstappen et Sainz se sont déjà arrêtés, donc ça c'est mort pour aller rechercher, malgré un undercut peut-être quelque chose, ça s'arrête devant, Joe, Crawford il passe même Stroll là, c'est pas trop mal là, on n'est pas trop mal, attention l'essence quand même ici, on va bientôt s'arrêter, on peut peut-être agresser, on va pas mal s'arrêter avec Crawford comme prévu, donc peut-être qu'il y a peut-être un coup à jouer avec tous nos undercuts, attention ici à Russell du coup. Il a mis des hards, il va peut-être aller au bout et nous on va encore faire deux arrêts ou alors on met des hards. Je pense pas qu'on aille au bout par contre avec des hards, à moins, on va voir quand même. C'est peut-être le bon plan de mettre des hards ou double médium, on va peut-être regratter du temps. La course est encore longue en vrai, on va risquer le tout pour le tout, mettre double médium. Là le moteur il est bon. Tsunoda, Leclerc qui s'arrête. Tsunoda il va encore devoir s'arrêter aussi, remettre des médiums. Est-ce que Leclerc va mettre des hards? Je pense, oui il a mis des hards. On devrait malgré tout tourner peut-être un peu mieux que lui là. S'il faut, on rentrera pas trop tard là. Et là, qu'est-ce que ça dit? Crawford, il se fait maltraiter un peu par tous ceux de devant à nouveau. On va pas tarder à rentrer là. On va rentrer au prochain tour à nouveau là. On perd trop de temps. Voilà, on va rentrer ce tour-ci. Sait-on jamais. Je sais pas comment ça peut tourner là avec trois arrêts si les autres en font que deux. C'est pas vraiment qui va vraiment gratter du temps au tour. On va peut-être finir très mal classé à voir. Tout le monde fait un seul arrêt, c'est peut-être pas le bon plan de faire trois arrêts ici. On va agresser les pneus et les faire chauffer comme d'hab. Tsunoda actuellement quatrième, assez loin devant Hamilton, mais ils vont peut-être plus s'arrêter tout cela. Si Hamilton va devoir s'arrêter, ça c'est la bonne nouvelle. Piastri est en train d'user des hards, Leclerc aussi. C'est quand même pas si mal ce qui nous fait à mon avis le petit Yuki. On peut peut-être commencer à agresser un peu les pneus là, en tout cas l'essence, ça c'est sûr, le moteur qui est bien froid. Ici, attention quand même aux pneus, il faut les tenir un peu. Sur Crawford, il devrait bien tourner là, Crawford, face au hard fatigué. Ils vont encore devoir s'arrêter là, ils vont pas aller au bout tous ceux-là avec leur hard là. C'est le moment ou jamais de regratter du temps là, clairement, mais il n'y a trop rien à faire à part rouler. Là, l'essence, attention, on va maintenant compenser avec quoique non, on va pas compenser tout de suite avec les pneus, on va continuer de pousser un peu l'essence. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On va mettre en x16.
Voilà, ici maintenant on peut compenser avec des pneus. Attention, Hamilton qui nous est revenu dessus, bah, il pousse un peu ses pneus peut-être là. On peut le tenir, simplement le tenir. Non, ça sort compliqué. Yuki il se fait même prendre par Piastri, c'est pas grave, c'est quand même pas une mauvaise course jusque là. On repasse Hamilton, peut-être qu'il y a moyen de tenir tête à Hamilton. Là on s'arrête pas tout de suite, là on va pas tarder par contre. Il faudra pas tarder du tout là même, si on veut une chance de faire quelque chose. Alors on va refaire ce tour-ci, vas-y, et puis on va s'arrêter ici. Les pneus qui vont être bien fatigués, voilà, les pneus sont fatigués. À bon arrêt s'il vous plaît, à bon arrêt, on est derrière Hülkenberg, on n'est pas si loin, on a des pneus neufs là, ça c'est la bonne nouvelle, on va peut-être pouvoir faire la remontada. Je vais le mettre d'ailleurs en dépassement fort là tout de suite. Le petit Yuki, normalement il va tourner mieux que tout le monde. Ouais, les arts très fatigués d'Hülkenberg là. Il va finir en soft, mais c'est pas grave. On passe même à Hamilton. Piastri il a mis des nouveaux médiums. On va voir les intervalles. Ah, on est loin derrière, hein, par contre. On est loin derrière Piastri. Et devant, ça ne s'arrêtera peut-être plus. Norris va galérer. Il y a eu un accident. Gasly, panne mécanique. Très bien, tant pis. C'est pas grave. Ici, c'est ouvert. On va donc attaquer les pneus et même l'essence là. 12e pour Crawford. Intéressant quand même. Il y a des hards assez fatigués. Il y a quand même Russell là, avec des nouveaux médiums aussi. Hülkenberg au stone. Tant mieux pour Yuki ça. C'est chaud, c'est chaud. Là, on a fait le trou avec Hamilton. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va en profiter, repousser un peu l'essence. Et Leclerc, il a quoi comme pneu? Des médiums tout neufs. Attention à lui, il risque de nous refondre dessus. Hamilton, problème là. Problème, problème malgré tout. Perez a une pénalité. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux pour Crawford. Et en même temps, il est très loin là, Perez. On devrait au moins finir 15e minimum avec Crawford, je pense là. Mais on s'arrêta au stand. Attention là, quand même à l'essence. Là, il n'y a plus qu'à rouler sur Yuki. Il n'y a plus juste qu'à rouler. Attention, Leclerc là, j'ai peur qu'il nous revienne dessus avec ses bons pneus médiums. On va essayer de contenir l'attaque là, d'un peu agresser un tout petit peu. Les pneus ne sont pas très très chauds. Là, on a dépassé la fenêtre d'Eston. Ben, on va s'arrêter. Il est plus que temps. C'est parti. On pousse surtout à nouveau là sur Crawford. Allez, vas-y, mon petit, rentre au stone là. Il a bien poussé sur 2-3 tours là. On va sortir derrière Ocon. Derrière Russell, je veux dire même. Aussi derrière Ocon de côté. Mais bon, loin derrière quoi. Est-ce qu'on peut faire la remontada là vers la 12e place peut-être? On est loin devant Joe. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va agresser un peu les pneus, les faire chauffer, pousser un peu le RS qu'on a en trop, j'ai l'impression, là, tout de suite. Allez, Crawford, il a de la place pour avancer, là. Peut-être qu'il peut faire quelque chose. Le RS, il va plus en avoir. On va poil pousser encore, voilà, comme ça. Et là, il n'y a qu'à rouler aussi, simplement. Est-ce qu'on arrive à maintenir Leclerc à distance? Oui, mais au prix des pneus, là. Attention, quand même, à ne pas les faire trop chauffer. C'est des médiums, ça peut chauffer assez rapidement. Leclerc, on le maintient à 2 secondes 7. Ce serait bien de finir 5e. Ce serait prodigieux de Yuki. Ce serait une super course. Et si Crawford peut finir dans les poids, sait-on jamais. Les pneus qui sont à bonne température, il n'y a qu'à rouler aussi sur lui. Peut-être pouvoir même agresser par moment sur... Donc, les pneus ne sont pas trop chauds, on va agresser. Et qui passeront en jaune, on n'agressera plus. Leclerc, là, il faut le maintenir à distance. Attention quand même à l'essence. On surveille les pneus de Crawford et l'essence de Yuki. Yuki qui gratte un peu de temps, là. Les pneus qui sont bien frais, là, ça va encore. On peut pousser. Ah, Leclerc qui revient, malheureusement. Ah, compliqué. Ça va être compliqué de le tenir derrière. Qu'est-ce qu'on a comme avance après? Sur Alonso, 11 secondes, ça va le faire. On peut peut-être récup, là, tant qu'on est devant Leclerc, tout de suite. Où est-ce qu'il est, Yuki? Ah, il s'est fait passer, zut, on va se mettre en neutre. Il est repassé, on va récup, du coup, on attaquera à la fin. Là, les pneus, c'est encore bon. On va quand même essayer de le surveiller, Crawford, là. On est toujours devant Leclerc. Ah, on est derrière, on va se remettre en neutre. Ou du moins, top-up, non, en neutre, ça me semble bien, là, pour la zone sinueuse. Est-ce qu'on peut le repasser, là, au rythme des DRS? Ici, peut-être, oui, on est repassé. Attention à Leclerc, qui... non, ça va, il est pas repassé. Il reste pas beaucoup de tours, on peut gratter la 5e place là je pense. On a bientôt le RS chargé, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Attention les pneus, il va falloir les tenir. Quand on sera devant, on va se mettre en légère du coup, voire en conservation même. Si on arrive à se mettre devant à nouveau là, on peut peut-être même conserver l'essence. Qu'est-ce qu'on fait? Légère ici, conservation. Vas-y, on va se mettre en conservation. Est-ce qu'on arrive à passer Leclerc? C'est chaud là, qui a le DRS, c'est nous, merveilleux. Conservation du coup. De toute façon, Leclerc qui nous repasse, c'est pas grave. De toute façon, on va pas perdre la seconde malgré tout. Là, il faut de la micro-gestion, là, j'ai envie de dire. On a notre RS full, ça, c'est la bonne nouvelle. On revient sur Leclerc à nouveau. Il va pas pouvoir trop nous attaquer, là, normalement. Il va pas pouvoir trop s'échapper. Qui a le DRS, c'est à nouveau nous, tant mieux. Conservation à nouveau. Crawford, qu'est-ce que ça dit? On va le laisser comme ça, là. Parce qu'il est bien dans ses pneus et tout. Il faut conserver les pneus, là. Avoir des meilleurs que Leclerc au final. Est-ce qu'il va passer Leclerc? Non, pas ici. Pas ici non plus, peut-être la dernière zone. On a l'air de le faire galérer là. Les pneus qui s'équilibrent, ça c'est la bonne nouvelle.
Est-ce qu'il est aussi en conservation? On va conserver de l'essence aussi, tant qu'on est devant. Pour bien, bien pousser à la fin, là. Leclerc qui galère, j'ai l'impression. Attention au drapeau bleu devant, là. Ricciardo, Perez, là. Attention à ce qu'ils viennent pas de se mettre entre nous et Leclerc. On conserve un peu d'essence. On est repassé devant, légère, du coup. Il faudrait mettre Perez entre nous. Vas-y, on va agresser. Pousser, il reste 3 tours, c'est le moment. Merde, battle assist, non, surtout pas, surtout pas. Si on peut mettre, ah merde, Perez, il est parti là. Alors est-ce que, tant pis, on va tout donner maintenant, tout notre jus, tout ça, les pneus qui sont un peu froids, attention à ça. Mais ça va, on a bien pu faire le trou avec Leclerc, Crawford 14e, il y a une seconde, 9 de Ocon. Ce serait déjà bien de rafler cette place, il reste un tour et demi. Dernier tour même pour Verstappen. Crawford, il en est où là? Qui peut rechercher Ocon, ça m'étonnerait. On a fait le trou avec Leclerc, ça c'est la bonne nouvelle. On est en full déploiement, il nous reste du jus sur Yuki. Ça va finir 5e, incroyable. Si tout va bien, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de crash de Yuki. S'il peut y avoir un crash devant, ça m'arrange. Hülkenberg 9e, c'est bon. Ça entre le sprint et la course, là on gagne des gros points sur Visa. Notre voiture qui commence à être efficace, là qui tient tête au Ferrari et au Mercedes. On a vu qu'on tenait même le rythme au début des Red Bull, là, vite fait, avec 3 zones DRS ici, c'est assez simple quand même. Alonso a déjà passé la ligne, Crawford, il va la passer, malheureusement, il ne rattrapera pas Ocon. Oh, l'essence, là, l'essence, ça va, c'est tout juste. Un peu plus de lift and coast. Oh, l'essence sur Yuki, oh, j'ai merdé, chef, il va s'arrêter sur la ligne. Conserve, conserve, oh là là, récup, récup. Oh là là, oh non, on va pas avoir d'essence, oh non, oh la boulette, oh la boulette, oh la boulette. Si, ça va le faire, on y croit. Il reste toute une zone là, on y croit. Oh là là, oh là là, oh le stress, oh le stress, oh le stress. Oh non, il va pas avoir assez d'essence. Oh Yuki, non, pourquoi il va s'arrêter sur la ligne? Non, oh j'ai merdé là, oh j'ai tellement merdé. Oh non, c'est bon, oh, c'est remonté en positif. Oh là là, alléluia quoi. Oh c'était chaud là, il va s'arrêter sur la ligne quand même là. L'autre aussi peut-être. On s'arrête sur la ligne, mais on est passé. On n'est pas passé, non. Oh la loose. Oh ça va, heureusement on finit 6e quand même. Normalement, est-ce qu'on finit quand même là ou pas? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on finit 6e? Sortie. Oh non! Non! Oh, je suis trop nul! Oh, je suis trop nul! Oh là là! Oh la lose! Oh la lose! Yuki, non! Oh là là! Oh la boulette! Oh la boulette! Oh la boulette, j'y crois pas! Si? Non, c'est Crawford! Oh là là! Oh là là! Je pouvais être 5e! Oh Yuki, 6e quand même? Ah oui, il prend 8 points quand même. Ouf, 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 ouf. Sauvé. Heureusement, ils avaient tous passé la ligne de le deuxième tour, là. On a quand même fait mieux qu'eux, finalement. Oh, j'ai cru qu'on avait 0, là. Oh, j'ai eu chaud, là. Oh, j'ai eu chaud. Yuki qui prend 15 points sur le week-end. Dommage, on pouvait finir devant Charles Leclerc et ramasser ses points. Montre voir, on aurait eu 10 points. Bon, oui, 10, ça va encore. On se bataille quand même bien avec les... Oh là là, j'ai eu chaud. Oh là là, j'ai eu peur, j'ai eu peur. On prend quand même la 5e place finalement avec 10 points d'avance au total du week-end. Là, ça c'est cool, ça fait plaisir. On aurait même plus de points que Ferrari là sur l'ensemble si on avait fini notre course là tout simplement. Oh là là, Yuki, oh là là, j'ai cru que j'allais perdre tous mes points. Là, je le vois out là carrément. Oh là là, oh c'était chaud. Ça fait plaisir quand même de finir la course. Évidemment qu'on finit les objectifs sponsors là. 1 100 000, on avait pris tous les plus élevés, je crois. Non, on pouvait prendre 16e, je crois, pour Crawford. Si j'avais su, je le prenais. Il finit 14e, le Lolo. 9e pour Yuki, encore un peu, je perdais tout, là. Ouais, c'était chaud. Ouais, génial. Oh là là. Je sais pas si c'est les règles exactes, là, de la FIA, ou si c'est le jeu qui nous aime bien. Crawford est content, malgré tout. S'il est content, je suis content, comme dirait l'autre, mais... c'était chaud quand même. Plus gros problème, les pilotes toujours dans le sort de mentalité. Je sais pas pourquoi je vois ça qui me saute aux yeux. Je crois que c'est toujours toute l'équipe elle, là, qui a le plus gros problème. Montre un peu, c'est où qu'on voit ça. Rapport complet. Pilote. Tout le monde a un problème avec les pilotes. Je pense qu'ils ont tous un problème en fait avec Jack Crawford. Lui, mauvais état de l'installation. Pardon, classement pilote perso. Bah, mais si tu marquais des points aussi, des fois, mon lapin, là, au lieu de faire des blocages là, pendant les sprints, etc. L'affinité qui est bien ici, ça c'est cool. Qu'est-ce que ça dit là? On a perdu un châssis. Très bien, très bien. Le fond plat, risque moyen. Attention, je pense qu'il reste une course avant nos prochains. S'ils arrivent quoi là, nos fonds plats? Donnés d'après course Autriche. Très bien, on s'en fout. Hein. Bon, il y a encore un message. Résultat featuré, c'est là. C'est la F2, Andrea Kimi Antonelli, qui a déjà une super note à 80, là. Incroyable, c'est lui que j'aurais dû recruter, mais je crois que je pouvais pas, il n'avait pas 18 ans au moment de la création de l'écurie.
plutôt que Crawford, ça aurait été bien. On va peut-être voir pour le recruter plus tard. C'est un futur gros, gros talent, ça, à mon avis. 80 déjà, alors qu'il a à peine 18 ou 19 maximum. Je pense même qu'il a 18. Là, ça arrive quand nos conceptions. On les a toujours pas, là, vraiment. Ça arrive après seulement là-bas. Fond plat, donc il va falloir en refaire malgré. Oh, quoique, normalement, ça va tenir là pour eux. On est où là? On est là. On vivra le Grand Prix de Grande-Bretagne ensemble. Grand Prix de Grande-Bretagne, et je pense que nos fonds plats devraient tenir. Ils n'ont pas l'air de dire qu'il y a trop de problèmes. Fonds plats, ça tient. Et l'autre risque comment? Il n'y a pas de risque sur l'autre. Ça va tenir du coup. Ah oui, c'est tout nouveau qu'on vient de lui installer vu qu'il a abîmé à la course. Risque élevé ici, mais on en a 7 en stock. Là, c'est pas gênant. Qu'est-ce que ça dit des tailles de la pièce? On n'est toujours pas trop mal là-dessus. Pas trop mal là-dessus. Toujours très bien là-dessus avec la grosse recherche. Je rappelle encore une fois qu'on a fait l'année passée sur le châssis. On a mis toute une période d'ATR sur le châssis. Donc on a un énorme châssis. On fera ça cette année avec le fond plat, à mon avis. Là, on n'est pas trop mal non plus. Tout juste, tout juste. On n'en crève pas des nouveaux, des flancs. On fait des suspensions et des fonds plats. On a mis toutes nos heures dans le fond plat. Ça devrait être un énorme fond plat malgré tout. Celui qui va arriver après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ici, suspension. On a un peu grimpé quand même. Pourtant, on n'a pas fait des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi on a grimpé, mais on doit échanger. Non, là, ça fait un moment qu'on l'a, ça, sur les deux voitures. Donc, je ne sais pas pourquoi on a. Avant, on était dernier. Maintenant, on est avant-dernier. Ne me demandez pas. Ah non. Ah bah si, monte. La voiture 1, du coup. Je comprends pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. 20e au lieu de 21e. Il y a une voiture qui a moins bien que nous. Je sais pas ce qu'ils ont bidouillé dans leur. Dans leur conception, les autres écuries, mais c'est pas grave, tant pis. Je vais pas recrafter du coup de fond plat, on va quand même regarder l'entrepôt. Il nous faudrait des flancs, clairement. Et peut-être un aileron arrière, parce qu'on va pas crafter de nouveau, à rechercher de nouveau cette année, flancs, aileron arrière. Par contre, il faut garder une place. Ah, on n'a plus rien là. Fond plat, on en craft en courant. Ah bah ça va, on en craft peut-être, mais on pourra en abîmer bah, en course de toute façon. Même si j'annule, je serai pas remboursé, donc ça sert à rien. Flancs, on en craft déjà, il y en aura un en plus. Suspension, on en craft aussi, on va tout avoir demain là. On va avancer le tort du coup. Voilà, on a tout fini ici. Suspension, fond plat, et on a même, je crois, un flanc en plus. Il en reste à craft normalement. Fond plat, suspension, très bien, très bien. Un peu de stock, ça fait plaisir. Contrôle de Yuki qui monte. Lui, il monte quand même ses notes. C'est quand même pas dégueu ses notes non plus. Bon, c'est pas terrible. Là, il est à 74 de notes. C'est pas la panacée, c'est pas la foire là, mais c'est. Pas trop nul non plus. Alors, développement de pièces, du coup, des flancs, on en craft toujours. Est-ce que je refais quand même des ailerons arrière? Oui, on va faire ça, vu que c'est nos derniers de l'année, là. On a peu de place dans l'usine, on va en profiter. Aileron arrière sur les deux, vas-y, 3 jours, c'est très bien. On peut même faire un aileron avant, là, vu que c'est nos derniers. Oh, quoi qu'on en a encore 7, là, on va pas en faire trop non plus. Ça n'a rien d'user de l'argent. Après, ça suce corps, là, risque moyen. Et lui, je crois que c'est risque élevé. Déjà, si on en a 6 encore en stock, c'est déjà pas. On va essayer de maintenir 6 là, même 5 à la fin de l'année, mais on n'est pas du tout à la fin de l'année, on est seulement au milieu de l'année, là, même pas encore finalement, même pas encore réellement au conseil là, conseil de Colonta. On va avancer, programme d'équipe des stones, montre voir là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça peut monter à 86 là, tout ça, donc faut encore monter. Là, la fatigue, ça va, ben bosser alors les gars, si ça va pour vous. Bosser pour moi. Alors là, 29 toujours, très bien. On peut peut-être encore bosser. On va essayer de gratter. On est pas mal en cric et tout ça là. On peut peut-être bosser, mais là ils vont être fatigués. Ouais, 35%. On va quand même enlever une demi-journée. 29, c'est bien. Voilà. Ici 29, ben, bosser encore les gars. Alors, comme je disais, on va quand même faire un jour complet de ça, mais après, on va se faire de l'entraînement comme ça. Salle de sport principalement, montre-voir là. Toujours 29, merveilleux. Il faut absolument gratter du temps d'arrêt. Les erreurs d'arrêt, ça va en vrai. 7%, c'est pas dégueu. Ça passe, moi, je trouve. Ici, encore 2 jours de plus. 29 toujours. Vas-y, le samedi, juste un peu de config voiture. Toujours 29, parfait. On continue, du coup. Est-ce qu'on gratte du temps au stone, au moins, en faisant ça? Moins 0,3, oui, ça va. Moins 0,03. 26%, 39%. Attention, on va quand même se calmer ici. On va au moins enlever ça. 33, vas-y, on enlève ça aussi. Très bien, vous avez gagné, les gars. J'ai perdu, voilà. 29, parfait. Ici, 29, peut-être, ici. Malgré tout, un demi-jour de muscu. 29, vas-y, une journée complète de muscu. Ou quand même, peut-être, montre. 34, bon, allez, ça me va. On va rester comme ça. Là, après, ce sera les vacances, donc...
peut-être un jour de config. Après, ils ont tout le temps de se reposer là, tout le début du mois d'août, avant le Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas. Donc ici, clairement, on va essayer de gratter du temps d'arrêt, maintenir le niveau tout simplement. C'est parti, 44% fatigué. Je veux rien savoir, les gars. Je veux rien savoir. Le moral est bon ici sur tout le monde, à part Andrea de Zordo. Pourtant, c'est pas lui qui a la meilleure note. Il devrait pas trop se plaindre là. Limite, Jack Crawford a une note meilleure que lui, quand même pas, mais bon. Ici, les ingénieurs sont contents. S'ils sont contents, je suis content. Là, c'est hors biais. Ça, c'est cool. Entre les deux, voilà. C'était gentiment, du coup, le Grand Prix d'Autriche. J'espère que ça vous a plu, malgré ma boulette à la fin. Là, vous pouvez me traiter de noob. J'assumerai totalement. Navigation et le rond arrière, merveilleux. Ça, c'est bon. On a du stock. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez liker, et on se retrouvera pour le Grand Prix suspension de toutes les tâches de conception. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Ça a pris feu encore? Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas le choix. On est obligé d'approuver là, d'approbationner. Je rigole, bien sûr. Malheureusement, on peut. Voilà, on l'aura pas pour la Hongrie. On l'aura pas pour la Hongrie, notre fond plat là. À moins de le faire en accéléré ou en urgence là. Ah, ça c'est moche, ça c'est moche, j'y croyais tellement. Merde, bon, c'est pas grave, on l'aura pour toute la fin de l'année en tout cas. Ça c'est sûr, on la vivra ensemble. Alors, du coup, 10 jours ici. Mais ouais, pas le choix, les gars, pas le choix. Au moins, on finira quand même avant la période ATR qui arrive quand? Ouais, on est large sur la période ATR. On pourra même se refaire une pièce, logiquement. On pourra peut-être se refaire une petite pièce si on a un peu d'argent. C'est quand ça? Plan du sponsor, c'est le 28. Ah oui, c'est après tout, c'est après tout, c'est après le Grand Prix de Belgique. On n'y est pas encore, il faut encore vivre la Grande-Bretagne, se concevoir fond plat, et au plus vite si possible avant la Hongrie, sinon c'est pas grave, on l'aura au moins pour la Belgique. Et vivre encore le Grand Prix de Belgique, puis après ce sera la trêve. Voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne voulez pas rater tout ça. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye, à bientôt, bye bye.